Lori Tillman pourrait-elle succomber aux sirènes du bistouri? La reine de beauté nationale de l'année 2011, devenue depuis journaliste et animatrice sur France 2, s'est exprimée auprès de nos confrères de Télé Loisirs ce mercredi 21 juin à l'occasion de la diffusion prochaine d'une émission qu'elle anime en compagnie d'André Manoukian intitulée La fête de la chanson orientale. Lors de cet échange, la jeune femme, toujours aussi glamour plus de 10 ans après son élection, a confié son rapport à son physique et son avis sur la chirurgie esthétique. Pour elle, l'option ne semble pas à l'heure actuelle être une éventualité, « ce n'est pas ce que je prône alors j'espère ne jamais y passer », a-t-elle déclaré, reconnaissant tout de même avoir quelques petits complexes. « Je n'aille pas encore oser franchir le pas mais si c'était le cas, je ferais de la chirurgie réparatrice. J'ai un mélasma, une tache de soleil », note de la rédaction, qui s'est créée en faisant du surf, et s'il y a possibilité de faire de la chirurgie esthétique pour un plateau tibial, why not? Parce que j'ai les genoux en vrac. A admis la reine de beauté. Des opérations qu'elle ne souhaite cependant pas réaliser dans un avenir proche. Look à la loupe, les bons choix de Lori Tillman. Lori Tillman, victime d'attaques sur son physique, comment a-t-elle réagi? N'étant âgée que d'une trentaine d'années, la présentatrice de France Télévisions a d'ailleurs condamné la multiplication des opérations de chirurgie esthétique chez les jeunes, on n'a pas le recul, à 40 ans, ça va donner quoi? A-t-elle questionné. Pourtant, dans un monde où le physique prend de plus en plus de place et où les imperfections sont montrées du doigt sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent y trouver leur solution. Lori Tillman a d'ailleurs elle aussi été victime de critiques sur son physique, alors qu'elle venait d'être élue femme la plus belle de France en 2011, à l'époque, on m'a critiqué sur mon nez, sur mes dents. Si est-ce une sacrée claque quand tu reçois plein de réflexions du genre si est-ce quoi ce nez? Elle a un sourire de cheval. C'était d'une telle violence. Tu te demandes toujours s'il n'y a pas une part de vérité dans la critique. Point mais l'ex-compagne du chef cuisinier Juan Arbelaez a également expliqué que le temps lui a permis de prendre du recul sur ses attaques, lui permettant même de s'accepter pleinement telle qu'elle est, « Je me sens bien mieux aujourd'hui. J'ai un fort taux de yang en moi, on ne dit plus garçon manqué maintenant. Tout le monde pense que je suis full féminine mais je pense que j'ai toujours ce truc en moi un peu naturellement, et qui s'est exacerbé après Miss France. » J'ai envie de dire, moi aussi je peux être un bonhomme. A-t-elle expliqué en riant. Pour Lori Tillman, le temps plus que la chirurgie semble être le meilleur remède contre tous les petits complexes. Crédit photo, Christophe Clovis. Step up.